si j'appelle ce livre Mahomet l'Européen, c'est parce qu'il y a de nombreuses images contradictoires différentes du prophète de l'islam dans la culture européenne. Au Moyen Âge, on le présentait comme un faux prophète, le fondateur d'une hérésie. Et ensuite, à partir du 17e et 18e siècle, certains auteurs anticléricaux présentent le prophète de l'islam comme une espèce d'héros anticlérical qui se serait battu contre les privilèges du clerc, contre les superstitions au sein de l'Église, qui aurait fondu un monothéisme pur et rationnel. Au Moyen Âge, en Espagne, moi j'ai regardé l'image chez les chrétiens du prophète de l'islam. Et chez les autres chrétiens, on utilise la figure de Mohammed pour justifier la conquête des chrétiens, on dépend des musulmans, des conquêtes de l'Espagne musulmane, en présentant Mahomet comme un faux prophète, un rebelle contre l'autorité de l'Empire romain chrétien. Tout ça pour justifier la reconquête, comme on dit en Espagne, de ces territoires. Ensuite, le pouvoir des chrétiens sur les musulmans minoritaires. Lors des croisades, il y a cette biographie de prophète présentée comme un hérétique qui aurait brisé l'unité du christianisme, qui est utilisée pour justifier la guerre contre l'islam et la reprise des lieux saints chrétiens.